ce crayon, très pointu et très sec, 3H sans doute, est celui avec lequel Lydie Salvert aurait pu écrire son roman « La vie commune » qui paraît en cette saison aux éditions Julliard. C'est incontestablement le plus méchant de tous. C'est en réalité un précis de la haine quotidienne au bureau. Suzanne est depuis des années la collaboratrice dévouée de M. Meyer. Voici qu'un beau jour, elle doit partager son bureau avec une nouvelle secrétaire. Plus jeune, beaucoup plus sexy, qui connaît le traitement de texte, tandis que Suzanne en est restée à la machine mécanique, et qui sait se faire valoir aux yeux du patron. La haine s'installe immédiatement, implacable, durable, mesquine. Car cette nouvelle secrétaire, selon Suzanne, n'a aucun principe. Et elle a un défaut majeur. Elle porte un parfum au vétiver, et c'est une odeur que par-dessus tout, Suzanne déteste. Elle est redoutable, cette nouvelle secrétaire, car insidieusement, mielleusement, elle oblige Suzanne à être aimable avec elle. Chapitre 7, cité intégralement, Suzanne parle. Je l'aborde, je l'aborde, je l'aborde. Hélas, pour Suzanne, tout cela finira très mal.